en famille, en voiture, au bureau, où que vous soyez, pour bien démarrer votre journée, Pasteur Petit Frère vous invite à suivre Gloire Matinale. Gloire Matinale, pour un moment épanoui, en toute intimité avec le Seigneur. Papa, je te remercie. Merci pour bon Dieu ça a accueilli. Merci pour Jean-Ou, bienveilleux. Merci parce que son grand Dieu va au-dessus de tout autre. Papa, nous te remercie pour journée ça que nous voyons aujourd'hui. Merci pour semaine ça qui est arrivée dans le temps. Merci pour laisse-moi ça, moi qui pourrais venir. L'autre capacité pour clôturer année 2021. Qui peut entrer dans l'histoire non, comme une année de grande turpitude, de tête chargée, mais parmi lesquelles, en pile grâce, tout débordé dans la vie, en pile là non, et en pile là non, chargé à qu'on liste témoignage de fidélité en dépit de tout. Que nous chargé à remerciement et gratitude pour ça où y est. Et pour ce qu'on fait dans la vie, pour ça nous remercions. Paul a dit, c'est dans toute bagaille pour nous dire merci. Je dis à nous prendre temps pour nous remercier, Seigneur, pour toute grâce et bénédiction que nous jouissons. Nous bénissons. Nous bénissons. Nous bénissons. Au nom de Jésus. Frère, avec ce moyen, c'est avec. Bon, je suis certain que Granville là non qui a souri, qui a dit ça t'est passé, côté et ça fait une patente et qui peut-être a besoin souhaiter jouer tout détail. Mais comme nous pas réunis ensemble tout le temps pour détail, nous réunis surtout pour nous partager parole là. Au fur et à mesure que nous avons avancé, peut-être n'a pas un petit détail sur qui ça, mais voulez tout le monde veut assurer nous que bon Dieu est toujours fidèle et aussi en tant que fidèle il est sous trône là, tout bagaille a très bien. Peut-être dans ce nom qu'a un petit témoignage sur comment bon Dieu fait bagaille. Et ça qui explique coupure ça de presque un mois. On pas imaginer long. Vraiment pas qu'à imaginer, mais il est arrivé déjà. Bon, il a continué à dire bon Dieu, merci. Mais je dis à sincèrement, comme tellement bouilli, et je recevoir une note que je forward bon l'autre jour qui dit que Gomri dit que pasteur, on a fait ça et l'on a asphyxie spirituelle. Alors, ça a été vraiment touché moi, et puis il me dit, quel que soit Jean, ça y est. Faut nous fait sûr que je dis ah, bon, ça date en portion depuis que je m'appelle ces pensées pour moi c'est la brûle hein, c'est gloire matinale mais tantôt c'est un problème tantôt c'est un autre problème tantôt c'est un problème technique et d'autres bagages ça hein. Mais Dieu merci grâce à frère Wadley en Villiers nous jouons l'autre médium pour nous capable faire sûr que nous partager avec vous parole moi je souhaitais pour même la construire de grandes bénédictions vous voyez parce que c'est monde qui vit en Haïti, monde qui vit à l'étranger, nous tous nous portons un fardeau commun, c'est Haïti. Vous voyez par rapport à Jean Bagayou à pied, Jean Bagayou à évoluer dans le sens négatif, c'est un fardeau que nous tous nous portons en cœur pour le pays. Et ça c'est un bon bagaille. Vous voyez, c'est un bon et mauvais bagaille à la fois. C'est un bon bagaille. Lors d'un fardeau ça, c'est un mauvais bagage. Lors qui t'ont tellement emporté par le même côté qu'on suspend, vive côté que Kounia là ou vive nos craintes, nos peurs noires. Mais dès que ça, tout son bagage que nous besoin contrôler. Et je dis en guise que moi-même moi à la avec ou non réseau symptômes. Bon, préfère même aller pour nous essayer résoudre problème non racine. Et ça me prend le garde à avoir. C'est l'exercice que nous allons faire aujourd'hui. Les prêts
concentré autour d'un questionnement que n'a fait tête nous par rapport avec qui côté problème que nous toutes nous gain n'a fait face yo commencer qui côté yo commencer si nous pas joindre côté yo commencer probablement nous capable joindre un élément de solution par rapport à comment pour mettre un bout là-dedans yo tout. Moi t'as aimé commencer matin pour alors comme moi dois avec toute chaleur et envie que m'gain pour me partager une nouvelle avant moi obligé rester dans parole là parce qu'on est pas grand pile temps passer ça donc faut faire sûr que pour ça nous réunir ou joindre. Moi je voulais commencer par une lecture que m'a pas courage pour faire hein? M'a pas courage pour ta faire ou même personnellement pour ta lire Romains chapitre 5. C'est pas un chapitre long, les seulement gain 21 versets. Les seulement gain 21 versets et me penser qu'on ca facilement lire ça pendant appeler prier. Mandez bon Dieu pour les illuminer ou ouvrir parce que Paul a dit c'est la révélation de ta parole qui éclaire, c'est pas la lecture de la parole. C'est la révélation. L'on appeler, c'est bien pour appeler. Mais c'est encore plus bien leur dépendance mon Dieu le baou révélation qui s'arrête voulait communiquer à nous-mêmes à travers parole qu'on appelle. Tant que éthiopien te dit Philippe comment on voulait pour me comprendre si pas comme on dit expliquer justement comme on t'as l'école ou qu'on lit ou qu'a écrit bah ça c'est normal pour capable lire pourtant pour pan pour lire ou comprendre ou quand ça moi voulait dire mais dans contexte ça que bon Dieu voulait communiquer a au besoin aide cet esprit a soit pas Jean mal lire sont pas d'abord mande moun ki te écrit a pour do qui ça qui derrière tête li en l'ai écrit ça te écrit donc mais je dis am pas bien temps li tout chapitre là pour quoi que ça am t'a recommandé fortement qu'on a le li le même mais s'il plaît souffrir avec que me ca simplement li pour yon on parti à partir du verset 12 grand Saint Paul k'ap di là. Et puis moi-même d'a souhaité quand même finir avec une petite réflexion qui c'est pas le plus un questionnement sur quelques bagages et puis ensemble avec grâce bon Dieu nous pas quoi pour ba non réponse en sortie hein. Gloire à Dieu. OK, so on va aller dans chapitre 5 là verset 12 à 10 c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché car jusqu'à la loi le péché était dans le monde or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ceux qui arrivaient par un seul qui a péché, car c'est après qu'une seule offense le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même
par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tout homme. M'a pas dit encore. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Now, et puis comme ça s'est arrivé dans or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous souhaitons ces parents temps perdu. Nous souhaitons sincèrement qu'on prenne un petit temps pour qu'on réellement fait lecture ça pour qu'on trouve que je suis certain qu'on ne va pas regretter, qu'on ne va pas regretter sincèrement. Mais je dis à m'te lire cette bloc data session sous yon jusqu'à deux faits. Numéro 1. Dame on comprend que Bible verset ça dit là à travers un seul monde péché entré. Et depuis péché entré a li gâté recette là. Tout comme nous connaît ça. Pour faire un juste citron, que on faire un omelette. C'est un pile monde à faire un gros omelette, casser, puis gon gagne au casser qui pas bon mon mais n'a pressé ou que ta la gueule la donne. Qui goût mon yo prend ou ça pourri. Ou faire zora, ou prier, n'a fait vite et puis ou gagne yon qui est en fil d'école là puis et le regarder le pas bon mais il est dans tout juillet déjà. Qui goût a prend ou ça pourri. Donc c'est important pour moi avoir comprendre, pour moi avoir comprendre pouvoir péché à et j'en l'ai entré dans recette là, les simplement gâter ça pour nous. Sou comprendre pouvoir péché à dans sens ça, ou vinn comprendre également pour qui ça était important pour Christ est venu pour restaurer ça qui était perdu. Parce que voyez, sou regardez bien dans Bible là. Dans Genèse chapitre premier. Alors qu'on est, m'a fait comme si m'pas te connais nous avant. Pour moi, attirer attention sur le droit faire. Sous garder dans chapitre 1er. Verset 4 par exemple. Dieu vit que la lumière était bonne. Il fin créer lumière, la lumière était bon. Pas de problème. Verset 12. Il dit Dieu vit que cela était bon. Alors, il t'a parlé de que pour te produire verdure, l'herbe tout bas ça semence et puis pour te et pour chaque produit semence. Bon le verset. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Bon Dieu te créé lumière sur basa yo, lui elle était bon. Il créé la terre pour produire bagay, elle était bon, pas de problème. Verset 18 et bon Dieu créé soleil, il créé la lune. OK, verset 18 pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. OK. Verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 21.
Et puis nous encore, verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon leur espèce, tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 28. Dieu les bénit. Alors ça c'est dernière dimension. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la famille, et dominez sur les poissons de la mer. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Pasteur, petit frère, sur tout animal qui se meut sur la terre. Gloire matinale, pour un moment épanoui. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. D'abord, remarquez que après chaque sabbat de fin créé, bon Dieu déclaré, il évalué, il dit tout est bon. Et puis l'elfe fin créé l'homme même, hein, bon Dieu ouais que toute ça a été fait, et pas même Dieu bon une fois ça. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Now. Si tout ça bon Dieu t'a créé au bon. Qui ça qui vient gâter bagaille ça? Genèse chapitre 2, Noël chapitre 2. Bon Dieu reposer la création, bon Dieu vient créer par la suite Ève. Et puis les ba au consigne ça pour pas faire bagaille comme ça et puis bon Dieu placer Adam dans jardin comme si c'était président t'a parlé, on t'a dit comme premier président de la terre. Pardon pays non, on parle aux planètes là. Et si c'était en question de dynastie, m'ta dit c'était premier roi qui existait. Si c'est pays qui est premier ministre qui compile le pays dans Caraïbes, m'ta dit c'était premier ministre qui existait. Donc si c'était gouverneur t'a voulait utiliser, m'ta dit c'est premier gouverneur. Donc si c'était grand monde qui était l'homme le plus riche du monde. L'homme le plus riche de la planète. Poko jam gwo moun ki te aussi riche tan ko Adam parce que tout ce qu'on a qui existé était en bas juridiction li et c'est lui qui te met tout bagage net. Donc l'homme que mon Dieu t'a créé, son l'homme qui était complet dans lui-même mais son l'homme qui te gen tout ça le besoin, toute autorité, tout bagage que le besoin pour vivre normal pour la régner qui bon sous la terre même Jean bon Dieu a régné dans ciel là mais ça bon Dieu t'a voulu. C'est que pour l'homme ça a capriné sur la terre en relation avec elle pour que le carigné sous terre même Jean lui même la prenier dans ciel là pour que règne terrestre là qu'il y a une extension de règne céleste là. Vous comprenez monsieur, vous comprenez dans chapitre 3 qu'on y a là qu'on bagaille qui rentre nous ouais qu'on y a là l'homme a commis une infraction. Là, le commencement de t'arrêter la grande trahison. Là, le remettre à ennemi, bon Dieu, doit que bon Dieu pas de gain plan pour débarrer Satan. Vous voyez, mais que Satan truqué Adam et Ève et nan gros géo, il a soumettre en ça. Vous voyez, qui cause que le péché vient entrer. Et puis, depuis péché a rentré, et mes frères, avec ce mot, péché a ces graines citron ça qui était pourri. Péché a ces graines de ça te gen tan gâté. Quel que soit va les oranges, citron ou mettez dans jus à graines qui te pourri à gâté, il y a toujours prend goule. Pas gon va les citron ou bien orange, dépendamment de qui joue d'affaire, ou ka mettez qui pour faire goût ça aller. Ou pas vle goût la donne, c'est jeté. C'est quoi étonné pour ça hein? Eh ben c'est comme ça ça vient d'atterrir. Maintenant, qui ça qui gâte pouvoir l'homme? Péché. Qui ça qui gâte tout cela était bon pour être créé? Qui fait que l'homme pas qu'à jouer du balazar? Péché. Qui ça qui fait l'homme pas qu'à dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, du balazar? Péché. Qui ça qui fait que nous-mêmes, alors, dame, on comprend, Fonda tourne dans Genèse chapitre 1, verset 26, on comprend, c'est ça, c'était quoi la mission de l'homme? 26, m'appelez-vous rapidement. Ok, lui dit en tant que. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel, sur tout le bétail et sur toute la terre. Et qu'il domine, pas pour être dominé, mais pour qu'il domine. Comment dit Avem, moi t'es fait pour me dominer. Comment dit le fort, moi t'es fait pour me dominer. Now, gongo différence entre fait pour dominer et fait pour être dominé. Même pas d'où fait pour mon abdominer sur nous. Bible a dit où t'es fait pour ou même pour wap dominer. Pas sur monde certainement, mais pour dominer dans domaine spécifique, un talent, un grâce que bon Dieu ba ou qui cause que tout le monde l'a pense à tel bagaille, ça vert pour penser. Ou même qui pour conseil ça évident. Ou pral ensemble avec moi découvrir ça et confirmer place pour là parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Ce bon Dieu dit et demain si Dieu va me tourner ça, on pral parler non de ça ça veut dire fait à image et ressemblance mon Dieu. Et ça n'a regardé demain si Dieu. Ça ça veut dire l'on fait à l'image et ressemblance bon Dieu nous va regarder ça ensemble demain si Dieu veut. Oh c'est pas intéressant. So et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout le bétail. Sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dans ce bon Dieu qui t'a créé nous pour ça. Et c'était plan bon Dieu pour moi avec pour nous dominer sur toute la terre. Qui ça qui gâte recette ça? Hop d'accord avec Yorilel, péché. C'est le péché. Now, OK. Si c'est péché qui gâte bagaille ça. Gros relation ça. Rapport extraordinaire ça. Mission que nous dégain pour nous dominer véritablement sur toute la terre pour nous mener tant coup Adam. On d'accord c'est péché. Est-ce qu'on est d'accord tout qu'il y a là selon Romains chapitre 5 puisque le péché était rentré par un seul monde hein et ben par un seul monde non Adam et ben il dit par un autre monde qui c'est deuxième Adam qui c'est Jésus-Christ. Grâce qu'on y a la libérale surabondée. En deuxième, Christ vini pour résoudre problème péché. Si c'était, si nous d'accord que c'est péché qui cause que nous perdu grâce que nous t'es supposé à vivre là. Si Christ vini les résoudre problème péché, ça voulait dire que qu'on y a là, moi avec, on t'a supposé retourner dans la position que nous t'es avant péché t'es existé. C'est pas ça? Si c'est péché qui était problème qui cause que moi avoir pas capable de jouir de grâce qui était grand fait pour Adam. Si Christ vini li résout problème péché après me fin accepter Christ, me résout problème péché. Moi t'a supposé commencer à ranger comme pour moi vini jouir la vie dans dimension Adam t'a jouir là. Quand bon Dieu a dit cela était bon, cela était bon. Pour me ta retourner dans Genèse 1 verset 26. Pour me dire que me créer à l'image et ressemblance bon Dieu que n'a comprendre le merci si Dieu veut et que pour me dominer si nous pourquoi à dominer après problème péché à fin résoudre donc nous avons l'autre problème et ça fait moi-même en guise que m'a attaqué problème insécurité Seigneur garder situation Jean Bagayoye. D'abord fait regarder qui ça qui empêche que moi-même m'abdominer qui cause que qu'on y a là c'est deux trois bandits qui a décidé que yo mettent telle zone et que moi-même pas gain droit passer faut que ça qui fait que mal là abdominer sous bien malgré soi-disant problème qui était problème non qui c'était péché à résoudre. Moi prier quoi là moi prier quoi pour être attaché même j'en t'ai toujours qu'on fait jusqu'à ce que nous arrivions joindre qui ça l'esprit bon Dieu voulait révéler à nous-mêmes qui ça moi avoir nous supposé faire qui va permettre que nous retournions dans la position de domination que nous t'ayez qui c'est plan initial bon Dieu papa moi do merci pour le privilège que nous gagnons pour nous être ensemble aujourd'hui à parler et méditer autour de parole là c'est des icônes pour que parole ça ait les stimuler nous les encourager les pousser à vouloir faire effort pour nous résoudre problème qui empêche que nous pas capable de présenter valablement dans génération ça c'est pour nous lever c'est pour nous camper c'est pour nous jouer rôle nous véritablement ça c'est désir c'est ça que c'est plan et la tourner là-dedans au nom de Jésus-Christ et
c'est prier même comme résolution. On a dit au nom de Jésus-Christ, moi avant, on a pleuvé, on a campé et nous allons jouer rôle nous au nom de Jésus-Christ. C'est désir que moi, c'est désir que ou même ou paré pour te réellement jouir de toute grâce que bon Dieu voulait ou même ou jouir. Pas oublier, m'a pas appelé nous chaque jour, nous besoin gagner des confessions que nous avons fait. OK, nous besoin camper sur parole là, déclaration personnelle. Beaucoup fini avec loi visualisation, beaucoup fini avec loi visualisation, non? Beaucoup fini avec. OK, beaucoup fini avec. Donc mais on connaît certainement que camper dans la cap fait effort qui camper sur parole. Ce n'est pas parce que me souler nous la donne, mais nous déclarer sur la vie nous que bon Dieu a fait grâce. Et que nous-mêmes, nous tous, nous pourrons jouir véritablement de tout bénéfice que bon Dieu t'a créé nous pour nous jouir. En attendant que nous finissions, m'a dit ça. Alléluia. En effet, tu vois ça. Dis faveur bon Dieu sur moi. Moi, j'ai un valet. Moi, j'ai qualifié. Et moi, j'ai pardonné. Moi, j'ai un courage. Avec un pile confiance en tête, moi. Chargé opportunité extraordinaire sur route, moi. Bon Dieu, bam, en pile idée qui ka fait me riche. M'ap vive une vie équilibrée et sans dette. Moi gain indépendance financière. Moi gain mentalité abondance et m'ap prospéré dans tout niveau dans la vie moi. Moi béni pour ka venir une source bénédiction. Moi penser même gens à bon Dieu. Moins généré. Moi-même, famille a petit là qui connecté avec moi, a servi bon Dieu. Grâce qui sont moyen, qu'a géré quelle que soit situation qui t'a venu sur moi. Moi, dans la meilleure forme que m'étais caillé dans vie. Moi, j'ai santé physique, spirituelle, émotionnelle, sentimentale, financière, familiale. Moi, fais effort pour moi discipliner l'esprit moi. Namen à comme mon que sagesse bon Dieu cap aider me prend pi bon décision dans tout domaine dans la vie mon cultiver fruit l'esprit au constamment et toute situation qui vient sur route a tourner en faveur quand même m'a pas accompli mission à raison d'être bon Dieu bénir. Le matin, si Dieu veut.